Les miracles de la vaseline, je suis très impatiente de vous montrer comment la vaseline va vous aider à faire plusieurs choses, surtout si vous n'avez pas accès à plusieurs produits, ne vous inquiétez pas, la vaseline va vous aider à réaliser plusieurs choses, que ce soit make-up, que ce soit le corps entier, bref, quand tu regardes cette vidéo, et n'oubliez pas de donner un thumbs up et de me dire ce que vous en pensez, je vous embrasse, je vous aime, continuons, allons. La vaseline, oh mon Dieu, j'adore la vaseline. Ouais, j'adore. Alors voilà, je vais vous montrer ma vaseline de plus près. Il vous faudra une vaseline simple. Et pour notre premier DIY, je vais vous montrer comment je vais me démaquiller avec ma vaseline. Oui, les filles, pas besoin de dépenser trop d'argent pour acheter des démaquillants trop chers. Utilisez tout simplement votre vaseline et voilà, elle va vous démaquiller comme une pro. Je vous assure. Et non seulement ça, elle protège aussi votre peau. Regardez comment elle enlève le rouge à lèvres sur mes lèvres. Incroyable. Et elle va enlever tout le make-up sur mon visage. Regardez, j'adore. Je suis devenue comme une addict de vaseline. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile avec de l'eau, mais je trouve que la vaseline est juste plus rapide, plus efficace et bien sûr très économique et très moins chère. Voilà. Et voici le résultat. J'adore vraiment. Tada! Et pour notre deuxième DIY, bien sûr, je vais utiliser la vaseline sur mes lèvres. Celle-ci, je l'utilise comme baume à lèvres et elle me permet aussi à protéger mes lèvres et mes lèvres sont très douces. J'adore vraiment. Bisous. Et pour le troisième DIY, bien sûr, vous pouvez utiliser la vaseline sous vos coudes. Aucune femme aime avoir des coudes sèches. Regardez la différence. Et voici un petit secret, les filles. Appliquez la vaseline sur votre paume de main ou derrière vos oreilles, derrière votre cou. Ensuite, appliquez votre parfum. Et cette méthode va permettre à votre parfum de durer toute la journée, surtout si vous avez un parfum qui ne dure pas. Voilà un petit secret. Et bien sûr, vous pouvez aussi appliquer la vaseline sur vos cuticules. Ceci va aussi aider avec vos doigts. Ils auront l'air propres et bien sûr, ils vont briller. Regardez, j'adore, j'adore. Et voici un autre petit secret, dirais-je. Si vous avez des sourcils qui sont têtus comme les miens, appliquez tout simplement la vaseline et croyez-moi, ils vont vous écouter. Si vous voulez qu'ils se couchent, ils vont se coucher. Si vous voulez qu'ils se lèvent, ils vont se lever. J'aime vraiment, j'adore vraiment la vaseline. C'est incroyable, incroyable. Et bien sûr, voici une autre manière. Si vous n'avez pas de primer, vous pouvez appliquer la vaseline sur votre paupière et ensuite appliquer votre make-up. Croyez-moi, vous allez voir une très grande différence. Regardez quand je vais appliquer le make-up sur l'autre paupière qui n'a pas de vaseline. Regardez la différence. Ma paupière à gauche et ma paupière à droite. Une très grande différence. Dites-moi que ça, ce n'est pas un miracle. Incroyable. J'adore. Et bien sûr, si vous n'avez pas de primer, vous pouvez aussi appliquer la vaseline sur votre visage pour protéger votre peau avant d'appliquer votre fond de teint ou votre poudre. Regardez la différence sur ma joue gauche et ma joue droite. Vous allez voir une très grande différence. Regardez, la joue gauche est plus souple que la joue droite. Ah ouais, c'est la vaseline. Et voici un petit secret. Depuis que je l'ai découvert, je n'arrête pas de le faire. Appliquez la vaseline sur vos cils avant d'appliquer votre mascara. Oh mon Dieu, les filles, vous allez voir un volume de cils immense, impeccable, incroyable. Je vous assure, regardez-vous, mais vous allez voir. Depuis que j'ai découvert cette méthode, je n'arrête pas de le faire. Regardez comment c'est long. Regardez mes cils à gauche et mes cils à droite. Vous voyez la différence? Après avoir appliqué la vaseline, imaginez si vous le faites avec des faux cils. Ils seront encore plus longs. Oh là là, allez-y, faites-le et dites-moi. Voilà. Et voici une petite méthode aussi, si vous avez des boucles qui ne veulent pas entrer, appliquez la vaseline et ça va directement entrer, je vous assure. Faites la même chose avec des bagues qui ne veulent pas entrer. Et bien sûr, vous pouvez aussi appliquer la vaseline sur vos genoux s'ils sont trop secs. Et aussi sur vos pieds si vous comptez porter des talons ouverts, s'il vous plaît les filles. Appliquez la vaseline, ne sortez pas avec des talons qui ont l'air secs. C'est pas du tout joli à voir. Oublier de vous dire que la vaseline peut aussi vous aider à appliquer votre vernis à ongles sans toutefois faire
un désordre, comme on dit le messiness. Vous appliquez juste de la vaseline autour de votre ongle et après vous appliquez votre vernis à ongles. S'il y a un peu au bord, nettoyez tout simplement la vaseline et puis ça va, ça se quitte, ça sort, il n'y a pas de problème. Aussi appliquez la vaseline sous vos seins, surtout si vous transpirez trop sous les seins, parce que je sais parfois nous les femmes aux gros seins surtout, quand nous transpirons sous les seins, ça n'a pas une très bonne odeur et en plus ça peut causer des bactéries et tout. Donc la vaseline va non seulement vous protéger contre les bactéries mais aussi permettre en sorte que ça n'a pas d'odeur. Vous pouvez aussi appliquer la vaseline entre vos jambes si vous avez les jambes qui se frottent trop. Donc ça va vous permettre à ne pas trop avoir les jambes qui se frottent de temps en temps. Et aussi vous pouvez appliquer la vaseline sur vos orteils si vos chaussures vous serrent trop. Ça va essayer de les élargir. Alors voilà tous les miracles de la vaseline. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Donnez un thumbs up si vous avez aimé. Et bien sûr, n'oubliez pas de me retrouver sur Facebook et Instagram. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. C'est la fin de cette vidéo. Gros bisous à vous et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.